Je voudrais d'abord rappeler que je suis encore président de l'Assemblée nationale parce que la législature finissante touche à son terme en début du mois d'août. Je suis donc encore président de l'Assemblée nationale, d'autant plus que je n'ai pas été encore remplacé. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer précédemment, j'ai quitté le Burundi le 24 juin pour aller dans une mission à Genève où il y avait des dossiers à discuter avec l'Union interparlementaire. Étant donné la crise qui se vit dans mon pays, étant donné les difficultés que j'ai connues, ayant été de ceux qui ont dénoncé le troisième mandat du président qui est illégal et illégitime au regard de notre constitution et au regard de l'accord d'Arusha pour la réconciliation. Parce que pendant longtemps, les médiateurs, notamment le médiateur qui a été envoyé par les Nations Unies, le médiateur qui a été envoyé par l'Union africaine, le médiateur qui a été envoyé par la communauté est-africaine et le médiateur qui a été envoyé par la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, avait conseillé au président d'abord un dialogue pour pouvoir déterminer un calendrier électoral consensuel entre tous les partenaires aux élections. Mais le président de la République, poursuivant de façon obstinée l'arrivée à son troisième mandat, a préféré organiser à la va-vite les élections. La situation actuelle, c'est que ces élections ont été rejetées par l'opposition, par la société civile. Ces élections ont été critiquées et commence à être rejeté par la communauté internationale. Il y a les Nations Unies. J'ai appris également que les États-Unis se sont exprimés. D'autres pays ne vont pas tarder à s'exprimer. Donc, pour moi, il s'agit d'un non-lieu. Il s'agit d'élections qu'il faut réorganiser. Et c'est pour cela que j'appellerai les pays amis, que j'appellerai l'opposition burundaise, la société civile à faire pression sur le président de la République et à faire comprendre au président de la République qu'il faut arrêter cette mascarade pour retourner au dialogue, pour organiser un nouveau calendrier électoral avec les partenaires aux élections et organiser des élections législatives et communales crédibles ainsi que les élections présidentielles crédibles après le retrait du président de sa candidature, étant donné que le troisième mandat lui est interdit par la Constitution et par l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Mon action comme président de l'Assemblée nationale, c'est d'appeler au président de la République, garant de l'unité nationale, de sauvegarder la paix dans notre pays, de renoncer à son troisième mandat, de rassembler tous les partenaires aux élections dans un dialogue consensuel où il pourra être arrêté un calendrier pour aller vers des élections crédibles et pour aller vers une présidentielle digne de son nom après le retrait de sa candidature. Ce qui est en jeu, c'est le respect de la loi. C'est le respect de la Constitution, c'est le respect de l'accord d'Arusha pour la réconciliation nationale, texte qui prévoit qu'aucun président ne peut exercer plus de deux mandats. Et il est évident que si le président de la République et le parti, mon parti, pouvaient reconsidérer la chose, et nous devons reconsidérer la chose, la désignation d'un autre candidat au présidentiel résoudrait ce problème de non-respect de la Constitution
et tous les partenaires aux élections seraient d'accord pour aller aux élections, puisque c'est le troisième mandat du président, un mandat illégal, illégitime, qui a mis le feu aux poudres et qui a provoqué le désordre actuel dans le pays. Il n'y a pas lieu ici de parler de génocide, mais il n'est pas impossible. Et au regard des développements actuels, des tueries que nous avons déjà connues au Burundi, il n'est pas impossible qu'un dérapage plus important se produise et que la situation actuelle bascule dans une guerre civile. Et c'est cette situation justement qu'il faut éviter. Et c'est pour cela que le président de la République devrait faire un sursaut pour voir la réalité en face et éviter que le pire n'arrive à notre pays après 10 ans d'efforts pour la reconstruction nationale. Officiellement, je suis la deuxième personnalité du pays. Le général Adolphe, c'est un militaire. Il est vrai que les militaires interviennent beaucoup dans les affaires du pays. Mais officiellement, je suis président de l'Assemblée nationale, je suis le deuxième élu du pays, et de ce fait, pendant que j'étais là-bas, j'ai eu à me prononcer dans un conseil des sages de mon parti, où avec d'autres, nous étions une majorité, nous avons exprimé notre appréhension par rapport au troisième mandat du président de la République, que nous considérions comme illégitime, comme illégal. Parce que nous anticipions les difficultés qu'il allait y avoir, parce que les manifestations actuelles étaient prévisibles. Nous étions loin de penser alors qu'il allait y avoir une situation aussi catastrophique où les militaires, où la police allait tirer sur la population à balles réelles. Je n'ai jamais rencontré des FDLR à Bujumbura. Par contre, la jeunesse de mon parti existe bel et bien. Et des dérapages par rapport aux actions de cette jeunesse de mon parti ont été soulignés. Et c'est pour cela que le secrétaire général des Nations Unies, c'est pour cela que l'Union africaine avait proposé qu'il y ait des spécialistes qui viennent chez nous pour voir dans quelle mesure désarmer les jeunes armés. Nous les appelons Imbonerakure. Ce ne sont certainement pas les seuls Imbonerakure qui sont armés. On avait proposé que viennent des spécialistes pour un désarmement. La rapidité avec laquelle le président de la République et mon parti sont allés vers les élections n'ont pas permis la réalisation de ces préalables qui auraient pu rassurer tout le monde. À l'intérieur du parti, je sais qu'il y a beaucoup de militants qui sont contre ce troisième mandat. Nous allons, le parti a réalisé un score très important même à travers ces élections. Mais c'est des élections non crédibles qui ne vont pas être reconnues par la communauté internationale. C'est parce que, comme l'a souligné la mission d'observation des Nations Unies au Burundi, pour les élections, c'est parce que l'environnement dans lequel se sont passées ces élections est un environnement très peu propice à la réalisation des élections crédibles. C'est un environnement qui n'a pas pu permettre à l'opposition de pouvoir faire campagne. C'est un environnement où une certaine contrainte s'est exercée sur les gens pour aller vers les élections. Et donc, il est évident que le résultat de ces élections est un résultat qui ne sera pas crédible, qui a été déjà rejeté par l'opposition, qui a été rejeté par certains pays importants, par les Nations Unies par exemple, alors qu'on aurait pu mieux faire, alors qu'on peut mieux faire en organisant convenablement les élections et en gagnant la main haute ces élections. Mon espérance aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'on ait parlé, mais qu'il soit resté sourd aux différents appels qui lui ont été adressés, mon espérance, c'est que le président de la République,
et son entourage reviennent à la raison, se mettent à la table de négociation, de dialogue avec les autres partenaires politiques, avec la société civile, pour pouvoir réorganiser les législatives et les communales, pour pouvoir organiser des présidentielles avec un autre candidat dans le respect de la Constitution, dans le respect des accords d'Arusha.